Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la page 47 de la méthode Rose qui comprend trois petits morceaux. Le premier s'appelle Souvenir de bal. Vous allez voir, il est très court. C'est bal en Suisse, hein, c'est pas le bal populaire du samedi soir, hein. Il est très court, il fait qu'une seule ligne et il n'a pas énormément de difficultés. Comme d'habitude, nous reprenons tout ça en le décortiquant pour que vous arriviez à placer vos mains comme il faut. On part sur un La, troisième doigt. On est en position de Fa, hein, comme souvent dans ces dernières vidéos. La, troisième doigt, main droite. Fa, cinquième doigt, main gauche. Tous les Si sont bémols. Vous voyez qu'on a un bémol à la clé et on est dans une mesure à trois temps. 3, 4, ça veut dire que le 4 indique qu'on compte des noirs et le 3 vous indique qu'il y a 3 noirs dans chaque mesure. Donc on attaque une noire à la main droite suivie de deux croches et une noire. Ça nous fait bien nos 3 temps. Donc La et Fa, Do et La en même temps, Do à droite, La à gauche. Donc Do La en croche à droite et je finis sur Fa et Do. Rien de compliqué. La deuxième mesure, c'est la même que la première. Je continue ma main droite sur un Sol. Ma main gauche, c'est toujours le même arpège, hein, Fa La Do. Ma main droite sur le Sol, donc avec le Fa de la main gauche. Fa et La, Sol et Do. La blanche à droite avec Fa noir à gauche et Do blanche à gauche et je repars sur mon Fa. Alors là, oui, vous voyez que ça change un petit peu. On a une première note blanche à droite et le dernier temps noir à droite, alors qu'à la main gauche, c'est l'inverse. Le premier temps est noir et le deuxième et le troisième temps, c'est une blanche. Donc on décale tout. Sauf les deux premiers temps, enfin le premier temps de la main droite et le premier temps de la main gauche qui tombent ensemble, bien sûr. La main gauche fait le Do blanche et pendant que je tiens mon Do blanche, je fais mon Fa noir à la main droite. Et je repars sur la même chose qu'au début. Alors là, j'écarte mon petit doigt de la main gauche pour le mettre sur le Mi. La main droite part en sol, alors attention, c'est toute décroche hein, à la main droite, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire, il vaut mieux le regarder avant pour savoir ce qu'on a à faire. Donc sol, deuxième doigt à droite, mi, cinquième doigt à gauche. Si bécart à droite, et si bémol à droite, en même temps que le do. Sol, fa avec Fa La à gauche. Donc, si je vous refais cette mesure en entier, ça vous fait... Vous avez vu, j'ai ramené... J'avais le petit doigt sur le Mi et je le ramène sur le Fa pour faire la dernière mesure qui est un Fa La blanche pointée à gauche. Encore une fois... Voilà, Souvenir de bal est terminé, donc vous êtes maintenant capable de le jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.